For years, I've been seeing you in my dreams. And lately, more and more. I know it's you, but I can no longer recognize your face. I don't know if I'd recognize you if I saw you. I hope your condition hasn't worsened much since you last wrote. I can hardly imagine what a nightmare you're going through. Remember, you're not alone. I'm sure our father would be happy to help, if only you asked him. I assure you that for now, I haven't said a word to him about your search or your health, just as you requested. He doesn't know your intention, and with God as my witness, he'll not find out from me. I know, you think the only thing that can help you is a miracle. But such itinerant miracle workers, preachers, and folk mystics often take advantage of those in grave condition who are desperate or seeking help. I hope the man you're pursuing can actually ease your mind. But if not, remember that, in the end, we will find a way to help you. Just because we can't see it now, does not mean it doesn't exist. Send word as soon as you get there. I want to know you are safe. With as much love as I have. Ligia. Je sais pas exactement ce que ça sera notre quête dans le jeu. Enfin, notre but et ce qu'on fait exactement. Il y a un mort en tout cas qui a l'air de nous suivre à 24. Enfin, je sais pas si c'est une ombre, un démon ou j'en sais rien. Could you spare a moment for me? I'd like to send a telegram. Of course. Pardon me, sir, but are you feeling all right? Yes, thank you. Il y a un peu les yeux explosés, hein. Thank you. Il y a des cernes de ouf, j'ai pas, il crame aux yeux, tu sais. Alors, quel est votre message? Lui dicter votre message pour commencer. Lui faire une farce? Non, on n'a pas le temps de faire des farces. Please. Arrived. I think I have found him. I hope he will receive me. I will write as soon as I am able. End payment? On receipt. Anything to add at the end. Avant, ça devait être compliqué d'envoyer des télégrammes. Genre, si tu voulais que ça soit un truc ultra confidentiel et tout, c'était mort, quoi. Voulez-vous ajouter quelque chose à la fin? Envoyez des salutations à votre sœur. My love to you, my sister. Touching. Ouais, c'est vrai. My name is Viktor Shulsky, S-Z-U-L-S-K-I, and Viktor with a W, not a V. Ça va pas trop compliquer son nom, prénom. Where's this headed? Warsaw, Russia. J'aurais pas deviné. This is supposedly Georgia. Russia here and Russia there. Russia everywhere, on every map. Maps change. I know, I know. Let's get on with it. Ça, il fait peur son truc derrière là. À qui vous parlez? T'inquiète. Elle voit dans ma tête. Which way to the village? The coachman is picking up the mail. Maybe he'll give you a ride. Thank you. Looney. Oh, bâtard, ce qu'il m'a dit. Alors, comment on se déplace? C'est bon, j'ai trouvé. Donc là, c'est quoi? Gare ferroviaire, ok. On va lire les petits papiers. Lettre perdue, cher Antonin, j'ai l'impression que ta dernière lettre remonte à une éternité. Bon, après, elle m'est pas destinée, je m'en fous un peu.
lettre. Cher Jacob, je t'en prie, abandonne une seconde. Le snobisme de la noblesse. Écoute ce que je t'ai dit. En vrai, tout le monde se fait. Tout le monde se fait snob dans leur lettre, c'est un truc de ouf. Bon, bah, fausse barrière apparemment. Alors, perception. En tant que thaumaturge, pardon, vous disposez d'une perception exceptionnelle. Vous voyez ce qui est normalement invisible. Vous anticipez les actions des ennemis. Vous suivez les marques et les émotions des pensées, des actions et des paroles qui vous atteignent. Et vous atteignez vos objectifs plus facilement, pardon. Utilisez la perception. Clic droit. Ok, là j'ai vu, il y a un truc rouge là. Ah, c'est pas une perception, on dirait que je claque des doigts, wesh. Je claque des doigts à chaque fois. Est-ce que je peux leur parler? Non, je peux pas leur parler. Là, c'est d'où je viens. Là, ici, je peux parler. Ah non, c'est un truc à lire. Le messager de Tiflis. Les événements tragiques du 29 août ont plongé la ville de Tiflis dans un profond deuil. Le rassemblement d'hier, au cours duquel les propositions de réforme présentées par le ministre Alexander Buligan, devait être discuté et était brutalement interrompu par les troupes cosaques ayant pris d'assaut le bâtiment du conseil municipal. Ok. Donc là, je vois que faut que je parle à lui. Hello. Hier, moi, ça te donne ton chemin, c'est, ça fait comme si qu'il y avait un objectif. Tu suis le truc. Where else? There's nowhere to go here, sir. The station, the village, and the cemetery. That's all. A horse can't go any higher. The village is what interests me. Well, if you've got reason to be there, climb in. Oh non, vas-y. Let's go. De toute façon, j'ai rien à faire ici, y'a rien d'autre. Prologue. Espérer un avenir meilleur. Nothing to see around here. This is everything. Hard to get lost in this place. Head to the tavern over there, past the little square, up the steps. Quand t'es dans un village, faut toujours aller à la taverne. C'est là où il y a tout le monde et tout le monde se connaît et tout ce qui se passe. Thank you. C'est un truc d'ouf. Bon, la taverne elle est par là-bas. Si je vais là-bas, ça fait quoi? Ok, c'est pour se barrer. Je sais pas du tout s'il y a des fights ou quoi, hein, du coup. En tout cas, on m'a dit. Là, tout à l'heure, dans le message, il a dit pour les combats et tout, donc pour genre esquiver les ennemis. Ah, par contre, y a pas la synchro verticale, là. Je vois que ça fait des traits en plein milieu, V-Sync. Ah, je peux pas l'activer. Ah, shit. Peut-être parce qu'il y a ça. Non, pas du tout. Bon, bah, tant pis. À mon avis, il faut revenir au menu et tout. C'est quoi ça? Charme de protection. Fait de cordons, de bâtons et de plumes, ce charme est censé assurer la protection des habitants contre l'influence des pouvoirs maléfiques. Alors, moi, est-ce que j'ai un pouvoir maléfique? C'est ça la vraie question, en fait. Proletariatis. Wesh. Alors, plus long les noms. Je vais parler à lui. Gentlemen, is this the tavern here? Hey, Putnik. You coming from far? Indeed, I'm tired. Nice boots. Are they warm? Oula. Actually, I have particularly warm boots. En faisant ça, vous nourrissez votre faille de fierté. Bah, là, il me balance des piques, bah les couilles, moi. Don't tempt me, Luca, don't tempt me. Give me a sec, got to sort out formalities with this tourist. Is your Znami? We are the Tsar's soldiers. Those don't look like soldiers' faces. Closer to thieves. I don't think he'll talk to us voluntarily. Oh, il va y avoir des fights ou. Arrête!
Oh putain, il y a des fights. Lorsque vos ennemis perdent tous leurs points de vie, vous remportez le combat. Les points de vie des ennemis sont indiqués dans des jauges sous leurs pieds, tandis que vous pouvez voir vos PV dans une jauge en haut à gauche de l'écran. J'ai rien provoqué la bagarre. 11, 15. Mais moi, je vois pas ma barre de vie. Où je provoque. Moi, j'ai... Oh. Attaque rapide. Oh, bâtard. Brah. Oh, raté. Oh, bâtard, il y a un couteau. Fil d'attente des actions. La perception vous permet d'anticiper des actions ennemies afin de prévoir ce qu'il va faire vos adversaires. Dévoiler la file d'attente des actions en haut de l'écran. Yo, Anto, ça va que ping. Vitesse et capacité. Chaque capacité possède sa propre vitesse. Les capacités lentes sont plus puissantes mais demandent un temps de préparation pendant lequel l'ennemi risque de vous attaquer d'abord. Ok. Ah, je vois en bas sa vie. On fout, je leur fous une patate des gueules, l'eau. Voilà, patate des gueules. Et je peux pas contrer, genre, esquiver. Hein. Tu vas bien? Bah écoute, moi ça va avec toi. Comment je fais pour esquiver? Normalement, il y avait pas un truc. Il y avait pas un truc tout à l'heure, ils me disaient ouais, de faire clic droit pour voir d'avance ce qu'ils allaient faire. Moi, je fais une attaque rapide, là, c'est bon. Brrrah! Des gueules! Voilà, c'est qui le boss en fait? J'ai un succès. Gagner une escarmouche en 6 rounds ou moins. Allez, hop, ça c'est fait. Faut pas aller les fouiller, genre les mecs. Ils sont où là, les deux à terre là? Ils sont là là. Ça raconte quoi, Anto? T'as passé une bonne journée? Putain, y'a de la décélération de ouf là. J'ai pas activé. Oh, on peut caresser les toutous. Est-ce qu'on peut monter sur le toit? Non. On va rentrer dans la taverne. Hein. Bonjour. Hop, on dirait que je lis les petits papiers. Les petits potins, des nouvelles de Yerevan. D'après nos correspondants, le nouveau gouverneur général de la province d'Yerevan. Le prince Napoléon Louis-Joseph Jérôme Bonaparte. Ah bah je connais lui. Vient d'arriver en ville. Oh, on va peut-être le croiser les gars. Ça va, j'ai plus mal à la tête et là je viens de rentrer du bar et toi t'as genre le tain. Oh là, colo quoi. Il rentre du bar, frérot, c'est un daron, il est parti prendre sa petite bière au bar. Bah ouais, écoute, tranquille, hein. Rien fait comme d'hab, on est là. Trouvez le faiseur de miracles à la taverne. Parce que c'est lui, du coup. Forgive me, sir. Is your name Grigory Efimovich Rasputin? I forgive you. Rasputin? Wesh. Ouais, tu as des noms qu'on connaît là-dedans, là. Ça se passe début 20e siècle. And you expected a thinking simpleton, an illiterate who swindles sick people and claims he can speak to God himself. Par contre, le curseur qui reste en plein milieu, c'est chiant. Je dois le bouger. Yes, I've heard. C'était gratuit, fallait en profiter. Ah ouais, bah voilà. Ok, tu dis toujours deux fois. Là, d'accord, ok. Si c'est gratuit, on dit que quand c'est gratuit, c'est dans le produit. Hein. Oh, ils ont vendu des empreintes et tout. En quoi croyez-vous dire que vous croyez en son pouvoir miraculeux? C'est-à-dire que vous voulez vérifier. Vous voulez vérifier. Moi, je vois, je crois à tout ce que je vois, moi. J'ai trouvé ce qu'il y a payé. Ah. And I know the meaning of that word. I'm a thaumaturge. Where are you coming from? De Russie. Expliquez comment vous l'avez trouvé, dire que vous êtes né à Varsovie. On balance pas d'infos sur nous. A charismatic miracle worker from Russia. I even heard about you from my doctors. By the time I got to Petersburg, you were already gone. I've crossed almost three continents, through Siberia, India, and half of Europe. But if you're asking me about my origins, I'm from Poland. From which Poland?
The Russian one, the German one, or the part that belongs to Austria? From Warsaw. Do you have a name? Viktor Shulsky. On my path, I've already come across people who've lied to me about their problems, and then gone around calling me a charlatan. After them, others arrived, with pitchforks and torches, and I had to endure insults and spit in my face, or flee for my life. And now you say you're a wizard from an imaginary country that no one has seen on a map in over 100 years. Forgive my amusement. I haven't had my first coffee yet. I forgive you, and I'm still asking for help. Prove your thaumaturge, and I'll hear what you have to say. Ah. Accepter le défi. What would you like me to do, sir? Bon, ça va, là, t'es en week-end d'une façon tôt, là. Non? Ça va, travaille pas. C'est bien. Find something in this tavern that belongs to me. And tell me something only I could know. First, I need to have something personal that belongs to you to learn your trace. It's a sort of pattern I'll use to recognize the other objects. Smell this. Alors, chapelet. Un chapelet usé par le temps que 30 nœuds de laine machienne. Que certaines Rasputin. Le zèle qui s'écoule, des perles imprègnent plus de la laine et le suif recouvrant les doigts robustes de son propriétaire. On va continuer. le souhait de Rasputin. Le zèle et la passion de Rasputin sont magnétiques. C'est un homme fort et féroce, à la personnalité séduisante que l'on suit sans mal. Prenez simplement garde à ce que les flammes de son ardeur ne vous brûlent pas. I'll return to you in a moment. Là, faut trouver un deuxième objet en fait. I can hardly wait. Alors, observations. Les observations sont des informations que vous récupérez en interagissant avec les personnes et les objets. Les observations amènent à des conclusions, des sources d'informations précieuses au sujet du monde et des événements qui peuvent vous aider selon les situations. Alors, perception des objets. Le thaumaturge dispose de la perception qui les permet de lire les émotions, les actions, les paroles et les pensées laissées sur des objets afin de reconnaître. Vous devez suffisamment développer les dimensions du cœur de l'acte. Wow. Ah, ça part dans des trucs, frérot. Wow. Alors, sur certains objets, vous pouvez trouver la marque de la personnalité de quelqu'un. Vous pouvez prendre l'une des trois formes suivantes. Inconnu, vous la voyez pour la première fois. Vous l'avez déjà vu, mais vous ne savez pas bien qui l'a laissé. Vous savez parfaitement qui l'a laissé. Les marques sont visibles qu'après avoir passé le test de perception sur l'objet en question. Bon, de toute façon, je pense qu'il va y avoir un exemple. Hein. You want tip, ça va la forme. Let's take a look around. Je pense qu'il y aura un exemple, non? Genre si je fais ça dessus, là. Alors, bol souillé. Un bol souillé. Ah ouais, mais non, mais frérot, je peux me bannir en 12 secondes. Ah, super, je peux même pas le revoir. Ah, je peux faire E au lieu de titre droit. Quoique, ça a pas l'air d'être le même. Ouais, c'est pas le même. Un appareil de pénitence destiné à la mortification volontaire des chairs. Force dimensionnelle, trop basse, esprit 1. En plus, il y a des compétences. Waputing. Livre de prière. Alors, un livre des Corées contenant des prières russes orthodoxes. Bah, déjà, c'est russe, donc à mon avis, ça appartient pas à 50 000 personnes ici. Hein. La passion de Rasputin. Qui aurait cru que le prêtre avait tant de passion en lui? Étonnamment, derrière son masque se cache un amant extraordinaire auquel le corps des femmes ne résistent pas. Serait-ce l'une de ses méthodes de guérison? On va voir s'il n'y a pas rien d'autre. Hein. Ah, mais on dirait qu'il claque des doigts. Ça
Ça y est, j'ai fini Welcome to Paradise. Les deux fins, c'est beau. C'est lequel celui-là? Là, c'est les tomatures. Je sais pas, Welcome to Paradise. Ça a rien à voir. Là, on commence juste. On découvre le jeu. On est encore loin de la fin aussi de Welcome to Paradise. Hein. You're a zealous man. It permeates every level of your personality, your faith, your abilities. Not such an impressive. Ça y ressemble. Oh, y a pas de zombies là. Ouais, y a la vue et tout, ouais, peut-être, mais l'environnement, pas du tout. At least one, my friend. Have a seat. En fait, c'est un film qu'ils ont utilisé des vrais noms et tout. Donc c'est des trucs qui sont déjà, enfin, vraiment passés, ça va. Après, j'y crois vraiment pas qu'il y avait quelqu'un qui se baladait avec un putain de mort à côté de lui. Rappelez-vous, pourquoi vous me recherchiez? Bah alors là, gros, je sais plus. A few years ago, I attempted to improvise un salutaire, and that ended with me. Ils l'ont peut-être dit au début, mais je m'en souviens pas. That means I can't develop my abilities. I know that my Uber is there. Sometimes he shows himself, but I can't feel the link anymore. Generally speaking, I'm losing it more and more each day. If it disappears, my mind, I'll lose my sense of reality. I'll fall into madness. I don't know if I can help you. De toute façon, je suis là pour rien, quoi. Dire que vous pouvez le payer dignement. Oh. N'est pas non plus prêt à se mettre à ses pieds pour lui demander quelque chose, quoi. Yes. I meant I don't know if I'm able to help you. My gift is something I've received from God. Some I've helped, others I can't say. And I've never treated a thaumaturge. Maybe just do the same with me as with the others. We can try. Focus on my voice. You are safe. As long as you can hear my voice, you are safe. Let me gaze into your mind. Let me see through your eyes. Let me. Where am I? Rasputin. There's no one in here. Je suis où là? Non. Pourquoi ça fait ch'touboum ch'touboum? J'ai l'impression que j'en ai deux. Hein. J'ai le clic droit et j'ai le E. C'est deux trucs différents. Il y a lui qui me suit depuis le début là. I need to get out of here. Faut que je sorte d'ici. Est-ce que c'est un putain de jeu d'horreur et tout? On va avoir peur. Alors, je suppose qu'il faut que je. Faut que je suive. Le genre de mort empalée, là. C'est comme Diablo, aucune idée. J'ai jamais fait un Diablo. Mais non, je pense pas. Là, c'est plus un RPG. Bah, de toute façon, un Diablo, c'est un RPG aussi. Pour l'instant, là, avec une phase de combat, c'est un truc. Des combats tour par tour. Donc, non, c'est pas vraiment comme Diablo. Ah, je pense pas que Diablo, c'est plus un hack and slash, quoi. C'est pas. Des combats tour par tour. Flaw clouds your vision. It always has. Pride. Your damned pride and sense of superiority. I must have gotten that from you, father. You lose, idiot. You always do. You're even losing against yourself. You can't see, but can you at least hear? You're weak, stupid, and blind. Là, pour l'instant, c'est le début, faut comprendre le truc et rentrer dedans, quoi. Do you hear me? Do you? Do you? Oh. Oh, qu'est-ce donc? I can see, voilà, il y a lui qui me suit depuis le début. Apparemment, on a un lien entre nous.
C'est pas vraiment la ref. Will you be lying there much longer? I wanted to sweep. Et apparemment, ce lien en question, on commence à le perdre de jour en jour. Pourquoi, je sais pas encore. Apparemment, je dois avoir quelqu'un qui peut me soigner. In the cemetery, chasing away evil spirits and giving people comfort. You all right? Yes, yes. Absolutely. I wanted to sweep. I'm just heading out. It's so good to see you again. And something else. I saw it clear as day. It wasn't a vision. It was a Salyutar, unbound by a pact. A wild one. And if so, that means there's someone in the village with a flaw that's attracting it. You talking to me? I was... Ils vont me prendre pour un fou, les gens. C'est-à-dire, il est pas bien dans sa tête, mais il parle tout seul. Bon. Rétablir flou complètement grâce à un faiseur de miracle. Ah bah nice. On est plus malade, let's go. Non, je vais visiter au cas où il y a un autre truc. Hein. Mais non, apparemment, il n'y a rien. Alors, trouver la personne porteuse d'une faille qui attire le Salyutar sauvage. Trouver Rasputin au cimetière. On va aller au cimetière. Objectifs multiples. Les quêtes ont des objectifs multiples sectionnés à tout moment, celui que vous voulez poursuivre. Une fois sectionné, l'objectif révélera un chemin à suivre. Parfois, ce chemin est si mystérieux qu'il n'échappe même plus aux expérimentés des thaumaturges. Je sais pas pourquoi je dis traumaturge à chaque fois. Mais pas d'inquiétude, les objectifs restants vous permettront de terminer la quête. Ouais, donc il y a ça. En fait, je peux les sectionner directement de là, en fait. Donc là, on va trouver en premier Rasputin au cimetière. Après, on ira faire l'autre. Vesna will bring it, Vesna will help. But if Vesna needs help with something, there's nobody to be found. That's not yours, don't touch. All these newcomers. Wesh, y a des manières de dire rendez-le moi. Hein. Je vais pas te la manger ta pomme là. C'est des fous les gens. Pomme abandonnée, une pomme rouge est abîmée, Vesna tremblait, a laissé tomber un panier de fruits et a abandonné cette orpheline. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Attends, du coup, moi je dois retrouver tout. Bon, bah, c'est par là. Je sais pas, c'est quoi la zone rouge là-haut en fait? Ah non, quand je fais E, ça me change de quête, putain. Je viens de capter, je pensais que c'était une autre compétence. Mais là, ça me change juste d'objectif. Could you give me a lift? I've only just come back from the post office this morning. I'm not getting the horse going again. Back to the cemetery. It's not like anyone there is going to run away. And look, my horse is more dead than alive. Alors, cocher. Le cocher refuse de m'emmener au cimetière. Si j'utilise mon pouvoir, je devrais pouvoir le faire changer d'avis. Quelque chose vous échappe. Donc, faut que je trouve un truc. À détecter là. Manipulation. À l'aide de traumaturgie, vous pouvez manipuler les autres. Vous devez d'abord connaître les secrets d'une personne en tirant des conclusions. Si la manipulation est disponible, l'icône d'interaction avec le personnage sera différente et Loupir apparaîtra à côté du personnage. Donc Loupir. De ce que j'ai compris, c'est le mort qui me suit partout là. Bon là je peux pas y aller. Ouais, il parlait de son cheval, il est où son cheval là? Ouais, c'est peut-être lui son cheval là. Ça me fait penser un peu à Hogwarts Legacy avec Revelio. Je vais faire clic droit partout pour trouver les trucs. Ah bah il est juste là son truc. J'ai fait tout le tour alors qu'il était là.
Le cocher a utilisé ce chiffon pour éponger la sueur de son front. La loque dégage l'odeur aigrie de la fatigue. La colonie de... La colonne de l'homme qui s'est évertuée à libérer les roues de la terre tendre. Waouh, terre, mais vraiment... Je peux pas utiliser des mots simples. Est-ce que... Une longue journée matin? Non, toujours pas. Ah non, il y a un truc. Pelle. La pelle porte encore des traces de boue et de glace. Le cocher a dû libérer les roues de la voiture de l'emprise du sol tendre. Le cocher est las, éreinté. Il a déchargé la voiture tout seul. Bon, c'est bon, quand je fais mes cours, je décharge ma voiture tout seul aussi. Hein. Il ne rêve que d'une chose, un moment de repos. Je peux le soulager de sa souffrance. I'm not going anywhere. Alors, on va voir ce qu'on peut faire. Faire disparaître la fatigue du cocher. Putain, ce serait tellement bien, ça. Eh, imagine, t'as la flemme. Hop, t'enlèves ta flemme. Wesh, il fait peur. Le mort-vivant derrière, il fait peur. And I meant to take the horse out for a ride, so get on. C'est pas le cheval qui était fatigué, c'était lui. Ok, on est au cimetière. Obtenir une calèche, quoi. Ouais, c'était pour se barrer, on va éviter de faire des conneries. Il est là, voilà. Je l'ai retrouvé. You're alive. Does that mean I helped? When I heard you were at the cemetery, I was sure I'd see you resurrecting the dead. Not yet. Today I'm just praying for rest for Vasily's soul. The whole village is suffering after his loss. He was the elder here. He cursed this place. Since he died, darkness and misfortune have hung over the village. You see? To them, every harm comes down to witchcraft. They believe that after Vasily's passing, the village was possessed by some monster that howls at night or some other Yafiets. Alors, ils pensaient qu'à la mort de Vasily, tout le village s'est fait posséder par une sorte de monstre qui hurle la nuit ou une sorte de Yafiets. Je pense que c'est ambiance macabre. On va peut-être commencer à avoir des grosses bébêtes. D'après les locaux, une ambiance macabre s'est installée au village depuis la mort du gouverneur. De petites querelles se transforment en bains de sang et les habitants sont tendus et renfermés. Ça n'annonce rien de bon. Pour ça, je veux de la baston, là. But on the borderline of sleep and wakefulness, I thought I saw a salutor. That's what might be influencing the villagers in wailing at night. They're good people, but none too bright, Victor. I'm afraid they might be talking about a train. The wise woman was saying the evil spirit is a book of hatch. J'utilise des termes, je sais pas à quoi ça correspond, book of hatch, yarit, je sais pas quoi là. Mais j'ai pas, je crois pas que j'ai un guide. un guide des bêtes. I'll show you. Let's allow Vasily's soul to rest for today. Amen. Il va falloir le suivre, je pense. Une femme dans le cimetière affirme que le village est hanté par une liche. Son nom serait Bukovac. Il va où ? Ah, faut se barrer. Bon, attends, je vais faire un tour avant. Pourquoi il y a un truc à, des trucs à trouver Ça, je viens pas ici pour rien, voilà, regarde, t'as vu, il y a des trucs. Il y a quelque chose qui cloche. Tombe de Starost Vasily. Le Starost Vasily n'est mort que l'an passé. Pourtant, sa pierre tombale a déjà été endommagée. Pourquoi? Force dimensionnelle trop basse, acte 1. Oui. Non, je peux pas aller plus haut. Il y a pas un truc là? Bah, y'a rien d'autre. Mais au moins, je vais tout le tour, je sais qu'il n'y a rien d'autre. Trouver la personne porteuse. Non. On va aller faire la quête là, faut aller fouiller chez lui. Propriété brûlée. Putain, la propriété elle est grande, elle est aussi grande que le village, gros.
C'est plus une propriété qu'il y a. C'est un village à lui tout seul. Dommage, il y a des déchirures là. Il n'y a pas le. Alors, il y a un truc. Une vieille ceinture calcinée dotée d'une lourde boucle en métal. La force dimensionnelle, toujours, je sais pas. Je fais tout le tour. Hein. Je scanne. Je fais Revelio. Ça me fume parce qu'on dirait qu'il claque des doigts alors qu'il n'y a rien du tout. Moi, je peux lui parler là. What do you expect to find in this place? The fire was almost a year ago. Time doesn't matter much here. I'm looking for clues and personal traces that will lead me to whoever is carrying the floor that lured the Salutor here. I see. I thought I could be helpful to you, but I don't really understand what you're telling me. Je comprends pas vraiment ce que vous me dites. Above all, pas si ça l'intéresse. Human souls. They form under the influence of tragic events. What does that have to do with salutors? Is that Latin? Yes, from the word newcomer. People have always taken salutors to be spirits, demons, or imps. Like from those fairy tales, the wise woman and the other old crones tell the locals. Sometimes, those sorts of fairy tales and legends describe how humans perceive a salutor. They don't take a physical form. Salutors are attracted to the flaws hidden within people. Thaumaturges discover these flaws inside someone, bring them to the surface, and adopt them to lure the salutor. Those are the moments when. En gros, c'est un peu comme Banisher, hein, ce qu'on a fait. Hein. I haven't been able to hold on to a salutor. Au lieu que ce soit des cas de hantise, en gros, c'est des failles que des gens ont et ils laissent rentrer les salutors, quoi. Il parlait de la faille que vous cachez. Non, c'est pas le sujet, on n'est pas là pour moi, on n'est pas là pour moi. L'important chose est que je peux maintenant catch my next salutor. Make another bond with it, and its power will allow me to start influencing people. Thanks to your help, I can once again discover people's flaws and the salutors hiding behind them. And I think I'm now able to catch my second salutor. Rasputin s'en souviendra. Expliquez pourquoi il est dangereux d'avoir plusieurs salutors. If I do manage to catch another salutor, that would be a very rare occurrence, in fact. An ordinary thaumaturge wouldn't even try more than once. Only a few have multiple salutors. Why? Dire que les autres sont des couardes. Some have lost their lives trying. Je sais pas ce que fait de choisir l'autre ou que ça baisse la vie. Là. Des fois j'ai pas le choix, mais je sais pas ce que ça fait en vrai. Ce que ça baisse un peu. But I know I can do it. I'm almost 100% sure. Isn't this exactly the sort of thinking that caused your problems that led you to me? That doesn't matter anymore. Then what's changed? This time, I've got you with me. Bon, vas-y, on va partir. On a du boulot là. I won't stop you. Alors, fouille à propriété. Déjà, il y a un truc. Parole 1. Un encadrement de porte détruit. Pour une raison mystérieuse, le feu l'a épargné. Bah, du coup. Le feu l'a épargné, mais elle est détruite. J'ai pas compris. Alors, il y a un truc. A horrible death. Une tache de sang séché. Elle a pénétré profondément toutes les dans les planches calcinées de la maison.
Le sang laissé échapper de la souffrance, il a coulé rapidement. Là, la plaie infligée au ciseau n'était pas large, mais elle était précise. La vie a quitté le corps, le cœur a convulsé et l'esprit a admis que le glas, ou le glas, je sais pas, avait sonné. Les flammes sont arrivées peu après et la douleur a retenti à nouveau. En même temps, le mec est mort brûlé vif. Pas fifou fifou, hein. Voilà, faut trouver des trucs ici, hein. Là, il y avait un truc. Là, j'ai pas été plus loin, mais je pense pas qu'il y a... Il y a pas plus. Donc, c'est-à-dire qu'il manque quelque chose d'autre part. Au moins quelque part. Là. Une poupée carbonisée qui ne semble pas être de première jeunesse. La poupée est recouverte d'une croûte épaisse de peur. Ses couches sont comme le vernis sur une vieille peinture. Oh. Non. Là, c'est bon, on a tout. Fouille à propriété. Apparemment, on a tout. Là, c'est que tout à l'heure, je suis passé par là. Il y a check ici. Il fait peur, n'empêche le Calutor, ou je sais plus comment ça s'appelle. Was still alive when the house caught fire. Someone wanted to kill him. The fire only covered up the crime. Oh putain, il revoit les visions et tout en plus. Ah non, c'est peut-être le méchant ça. The monster gave birth to the floor that you attached to, didn't it? I'll find you when I track down the murderer. I know who. À mon avis, c'est ça, c'est comme les cordes de hantise sur Benichard. On a réglé les problèmes et après on se fait une fight à la fin et. Sure to know more about what happened here. Et dégage quoi. Ça va être le même délire. Mise à jour du journal. La marque de Vesna. La même marque peut être sentie sur la poupée et sur l'objet de que la femme a laissé tomber. Vesna respire la peur. Ses nerfs sont mis à rude épreuve. Son cœur tremble. Ses doigts sont raidis par l'anxiété et son esprit vagabonde dans les contrées sauvages de la peur. Je devrais pouvoir découvrir où elle habite. Il se cache derrière sa fébrilité. I hope you've got what you want now, Thaumaturge. Because I think it's time to get out of here. Ah. Il revient une petite fight ou. Why the hurry, father? We're the Tsar's men. How about the donation for the Tsar's army? There are no Russian outposts here. I think this is the guy with the nice boots. Ah, c'est moi. Guy who trashed our comrades? C'est bien ça, c'est moi. Ouais, ouais. I can do exactly ah, quand il faut se battre, j'ai pas peur, moi. Moi, je suis là, moi. He's not as weak as he looks. He actually looks better than he did the other day. But not counting the priest. He's still alone. Not anymore, I'm not. Ouais, nouvelle fight, let's go. Ah, les améliorations. Point de développement. Sur la couverture du grimoire, les points de thaumaturgie sont disponibles. Vous pouvez dépenser sur l'arbre, acquérir des améliorations de capacité, perfectionner vos pouvoirs dans toutes les dimensions et chasser les salutaires pour vous permettre d'aller plus loin. Tiens, ça, je peux pas monter ça. 1. J'ai combien de points? Marqué où? Ah bah si, j'ai nos 3 points. Mais là, je peux pas le monter, ça. Alors, cette amélioration permet d'utiliser perception dans la dimension esprit. Cette amélioration permet d'utiliser perception dans la dimension cœur. Comment on l'améliore? Ah, je peux en avoir 4, ça, en fait. Ça, c'est la dimension quoi, du coup? Merde. J'ai tout quitté. Lui, c'est la dimension cœur. En gros, je peux en avoir 4. Mais comment? Je comprends pas. Coup 1, d'accord. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Bah écoute, si je lui donne tout ici. Ah merde, putain, j'aurais dû garder...
Je peux pas le supprimer, Nina. Amélioration disponible. Amélioration de capacité. Chaque capacité peut être améliorée. Placez l'amélioration à l'endroit désigné sur l'icône de capacité. Chaque amélioration prend un peu d'espace. Ah, ça... ah d'accord, c'est mes compétences de combat, ça. Je sais pas à quoi ça sert. Ça, tu peux les mettre sur les trucs, mais... Donne 60% de chance d'infliger le double de dégâts. Bah ça, c'est bien, ça. Ça, on va mettre là. Du coup, ça, c'était quoi, ça? Permet à toute attaque dirigée sur l'ennemi d'afficher le plus de dégâts possible. Ouais, bah ouais, ça sur une attaque puissante, je vais le mettre. Réduit encore la concentration de 1 si l'ennemi est en état de souffrance. On va mettre ça là, bah écoute. Ça, c'est quoi ça? Faille. Beaucoup de gens ont des failles. Mais seuls les traumaturges savent qu'elle existe. Ce sont des imperfections de la personnalité dues à des expériences difficiles. Elle attire les salutors et permet aux jeunes traumaturges de faire un pacte avec leur premier salutor. Bon, de toute façon, j'ai rien. J'ai rien du tout. Là, c'est dommage, là, j'aurais pu débloquer une attaque par mon salutorge. Putain, fais chier. J'ai été trop vite. Allez, commençons la bagarre. Alors, attaque puissante et concentration. Pour lancer une attaque puissante face à un ennemi, il lui faut retirer toute sa concentration. Attends, je comprends pas ce qu'il montre. Afin de le plonger dans l'état de dépression nerveuse, les attaques puissantes sont bien plus efficaces que les attaques. Les autres capacités et permettent de terminer le combat plus rapidement. Ouais, c'est une grosse attaque. Oh, dans le dos. C'est niqué dans le dos. Oh putain, je me suis mangé une mandale, frérot. Ah ouais, mais t'as c'est vrai, tout partout. Arrêtez de me taper. Oh. C'est qui m'a donné un coup de couteau? C'était lui là. Le goût de mes bâtards. Il me prend des coups de bâton. Là, il doit se prendre des coups dans le dos. Il sait pas d'où ça arrive. Aïe, arrêtez de me taper. J'essaye les compétences, hein. Alors, lancer des attaques puissantes. L'ennemi a perdu toute sa concentration et se trouve maintenant dans un état de dépression nerveuse. C'est l'occasion parfaite de lancer une attaque puissante. Je vais prendre des mandales, frérot. Bon, on va les terminer là, c'est bon, ils m'ont saoulé. Hop, en moi. Je vais faire une commotion cérébrale. Allez hop, deuxième en moins. Bon, ça peut passer. Hein. Ça peut passer. Et les dégâts restaurent 13 de vos points de vie. Permet de me heal. Alors, j'espère par contre que la vie se régénère à chaque combat. Hein. Parce que je suis dans la merde, sinon. Mais. Can these salutors also help you in a fight? Can you manipulate people and cast these demons into their minds? Generally speaking, yes. Are you sure you're right, sir? Call me Grigori. Let's head back.
I have to visit someone in the village who can tell me more about what happened here. Je voulais bien battre un démon là, un truc. Du coup. Parler à Vesnor. Bah let's go. C'est dommage, il y a les cadavres et c'est un RPG mais je peux rien ramasser. Du coup, village. C'est parti. Ah sinon ça raconte quoi les gens là? Vous avez passé une bonne journée? Mais ça, c'était qui? C'était celle qui avait perdu sa pomme, là? Non? Je visite un peu, là. Pas grand-chose. Y'a pas grand-chose. Maybe I open up. Ma'am, please open the door. Please go. We didn't invite any guests over. I'm telling you, go away, or I'll call for help. Help! Help! Somebody help me! What are you doing here, you tramp? I'm not looking for trouble. I just wanted to talk. We'll talk, all right. Encore une fight! Oh, 36, wow. Beaucoup de points, lui. Hein. Oh, ça va, je regarde toute ma vie. Hein. Je regarde toute ma vie parce que t'imagines, je serais low light à chaque combat, je serais un peu dans la merde. Ok. Je vais faire ça sur les deux. Ouais, mais pas beaucoup de dégâts en vrai. Hein. Inflige des dégâts, restant un de vos points de vie. Super, un point de vie. Oh la double mandale. Oh la double mandale, ça fait mal. Alors lui, je l'ai démonté, gros. Je crois que j'ai des compétences que j'aurais peut-être pas avoir dès le début. C'est trop pété, wesh. Les mecs, des one-shot en un coup. Allez, c'est ça. The devil sent you. You could say that, sure. Allez, hop, ça dégage. On réitère notre toc-toc-toc. I wanted to talk. Ma'am, please open the door. Please go. We didn't invite any guests over. Attends, mais dis pas que ça va encore ramener des gens. Là, je pensais qu'elle allait encore ramener... ça allait encore ramener des gens. Une boîte en bois gravée à la main, ornée de peinture élaborée. Ok. Faire le tour de la maison. Ouais, c'est où? Ah, là, il y a des trucs. Pourquoi elle détecte pas, là? Une manche de hache abîmée. La marque qu'il porte n'appartient pas à Vesna. Là, il y a un truc, là, ici. Voilà. Des morceaux brisés d'un plat en céramique bleue. Querelle conjugale. Dans cette maison vit un couple marié qui ne mâche pas ses mots. Ils se disputent violemment, avec force jusqu'à ne plus avoir de souffle. Mais s'ils continuent ensemble malgré tout. Super. Les couples comme ça, frérot. Now I know that woman's trace. Vesna and her husband both left traces of themselves at the Vasili's burned out farmstead. Lucas sincerely loves his wife. You think he loves her strongly enough to kill for her? Peut-être. You're right.
Ouais, enfin, j'ai pas l'impression qu'il parle beaucoup le mort là. J'ai l'impression de parler à un mur. On réitère notre toc 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 à jamais 203, comme on dit. Ma'am, please open the door. Oh, vas-y. Please open the door. I'd like to have a chat about your husband. You'd better not be here when he gets back. He's not as talkative or polite as I am. Vesna, à propos du Duc, il est clair que ce n'est pas la première fois que Vesna menace quelqu'un aux côtés de son mari. Lucas n'a sûrement pas très bonne réputation au village. Les habitants considèrent Lucas comme un sombre malotru. Cependant, il semble avoir un point faible. Il se trouvait dans la maison de Vassili à la nuit du meurtre et de l'incendie. I know you're scared, but please just open the door a crack. T'as un thug, Lucas, là. Ask one quick question. What do you want? Bah voilà, tu vois, je l'ai fait sortir. Calmez-vous. Hey, calme-toi, là. Please don't be afraid. I just need to know where I can find your husband. J'utilise des pouvoirs. He's chopping wood in the clearing by the forest. Ok. Tu rentres dans la clairière. Attends, j'ai pas été visité là-bas là. Am I sensing? On visite un peu hein. Par contre, il y a des trucs ici là, je peux pas. Il y en a un là, mais. Ah si, ils sont là. Quelqu'un ou quelque chose a tué cette oie. Nice. Salut sur le pas de porte. Saler le pas de sa porte protège contre les visiteurs indésirables et les autres malheurs. Bon, tu vois, moi si je suis un visiteur indésirable, je vais rentrer, moi, bah les couilles. Un village tranquille et heureux, dites-vous. Pas tout à fait. Les villageois sont énervés et une rixe est sur le point d'éclater. D'après eux, les ennuis viennent de Bukavac. Ils essayent de se défendre contre cette force obscure à l'aide de méthodes traditionnelles. Yes. Vous, petite oie, là. Putain, elle est loin, elle. J'ai un poing. Oh putain, ça... Wesh, ça va loin. Oh putain, ça va loin, gros. Comment j'améliore plus? Voilà. J'ai plus de poing là? Non. Pour l'instant j'en ai qu'un donc je vais pas m'amuser à mettre 50. On peut aller quatre par an ou. Again. This time it's a matter of life and death. How is your search going? Almost finished. I know who's attracting the Bukavac. Can you reveal that secret? It's Luca. It has to be Luca. Do you still want to catch that Salutor? Yes, absolutely. Despite the risk? I hope I can persuade you to come with me. That's an enormous favor you're asking me. I hope you'll be able to return it. I give my word. Did you hear? We're going to see Luca Bogosian. Attends, c'est le reste... Ah, c'est le reste du village ici. Je disais, le village de base était un peu petit, hein. I'm not here to fight. Luca. You shouldn't have threatened my wife. Alors, je l'ai pas menacé. I don't know what you're talking about. You're the one who brought the Salutor here. The spirit that you all say arrived in the village after Vasily's death. The Salutor is what's making fear consume you all and making you hot-headed. And it's because of your flaw, which has been within you since the murder took place. A murder might just be about to take place. Oula, fais des menaces là. What?
tear off his head before he opens his mouth again. Oh, mais c'est elle. Unless you're the one that killed him. And I'd do it again if I could. Get out of here. Here you are, Okalad. Vesna's flaw is mine, and you are mine. Alors, niveau des difficultés, on va voir son histoire, hein. Ah, je me demandais d'accord. Oh putain, il est gros. Oh, the bee, je le voyais pas si gros que ça. Combattre des salutors sauvages. Afin de vaincre un salutor sauvage, pardon. Et il vous faut débarrasser des ombres qui le protègent. Éliminer les ombres affaiblies. Mais plus il est faible, plus il riposte violemment. La jauge vous indique lorsque le salutor sauvage vous enlève plus d'ennemis. J'ai plus de points, hein, non. On va qu'à la bagarre. Écoute, on va faire comme tout à l'heure. Oh putain, je peux pas le faire. Oh, c'est le petit coup de poing à 1. Hein. État. À cause du but Kavak, vous êtes entré en état de souffrance. Les états peuvent aussi bien être bénins que potentiellement mortels. Lisez attentivement. Leur description va de plus vous faire surprendre. Et c'est même pas moi qui attaque en fait. Des attaques rapides. Ah. Puis il y en a. Vas-y. Wesh, la meuf, elle me fout des plus grosses patates que le mec juste avant. Calmer un peu ta pote là. J'ai un peu des mandales, frérot. Je vais en perdre ma mâchoire. Focus on what's true. My voice is true. I am the truth, you see. Look. Apprivoiser un salutor.
Vous avez vaincu le Bukavac, le saluteur de la dimension de l'acte. Mais vous ne pouvez pas l'apprivoiser vous-même. Rasputin vous vient en aide. Le saluteur sauvage ne vous obéit pas, vous empêche de vous développer et affaiblit votre perception. Heureusement, Rasputin a apaisé sa colère. Vous avez réussi l'impossible. Let's go. Unbelievable. Donc c'est-à-dire que là, je l'ai, je peux le sortir dans mes attaques et tout. Well, I don't think I'm hallucinating, but that means I'm currently facing a crowd of furious lumberjacks with axes, so I'd say I've been better. What? What? I'm telling the truth. I'd do it again. None of you understand anything. It's because of this magician. It's his fault. The magician didn't kill Vasily. He didn't bring the evil here. You're a witch! To the stake with her! To the stake! And you, why are you just letting them do this? Fine, I'll handle it myself. I did it before, and I can do it now. What have you done? Go. You don't need to see this. Empêcher Lucas de prendre des décisions irréfléchies. Rappeler à Lucas que l'épreuve de son amour. L'épreuve de son amour. Ouais. Faut qu'il reste à deux, faut qu'il campe à deux, au moins les tranquilles. Hear out still true, I know that. Hear out her reasons before you do anything. Okay. You two better not come back to the village. Ah bah je les ai peut-être sauvés en fait. As if we wanted to. Je les ai peut-être sauvés au final. Alors, l'ombre des péchés d'autrefois a envoyé un télégramme à la gare. Ah. Je vais parler aux gens. Excuse me, sir. Do you happen to know when the train arrives? The postmaster said it's usually no more than an hour late, so it should be here any moment. I got a tougher question for you. Pardon? Will this train get me close to Albuquerque? Oh, I'm afraid that's an ocean away, and even to the ocean you've got a ways to go. Thank you. Bah, il est fatigué, mon perso, d'un coup, là. Wrong turn at Albuquerque, you can't get my bearings. Things I've seen, sir. Places I've been. I just can't get to Albuquerque. Il est fatigué, mon perso, il parlait de temps. Apparemment, il y en a l'autre. I wanted to send two telegrams, one to Warsaw and one to Paris. Mr. Shulsky, I was meant to send for you when the driver came to get the mail. My condolences about your father. Ah, en plus, il nous courrier, le bâtard. C'est pas cool, ton pote, il lit notre courrier. Do you still want to send something? Apparemment, un des courriers lui était destiné. Did you come to say goodbye to me? More like to share my fear. Your condition yesterday, after the fight with that Bukovac, it troubled me. I don't think my treatments are having a long-lasting effect. And you don't look the best. Do you feel all right? Est-ce que je peux lui faire confiance là? Au moment où on en est, est-ce que je peux lui faire confiance? Ouais, non, je vais l'ignorer. I feel fine, thank you. Don't talk if you don't want to. What do you intend to do now? Changer les plans. A moment ago, I was thinking about Vienna or Budapest and going on from there to Paris, but now I've got to get to Warsaw first. What about you?
Thanks to you. I don't think I have anything else to do here. I had a little time to think about what I saw in your mind. À mon avis, il va me suivre partout, lui. Hein. Have you ever seen a human skull open on the cobblestones? Your question sounded like a threat. Because it is, for all of us. I have the skull of Franz Ferdinand himself, with his brain spilling out onto the sidewalk. I also saw the white steps in Odessa running with blood. A battlefield blanketed in lethal fog, with faceless beings emerging from it. This hasn't happened yet, but I saw it as clearly as I see you now. Thanks to you, I know that I can stop it. I know that I am part of history, and I can change it. Even at the cost of scorn, contempt, or my life. You promised me a favor, so... Ah, on a le train. Ça y est. Ce tomaturge. Après 1h30. On a la troupe.